Les corrigés du marketing digital, chapitre 25. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce chapitre un peu spécial, avec un corrigé un peu spécial par rapport aux autres corrigés. Le chapitre 25 est un chapitre spécial qui parle d'intelligence artificielle. Et donc nous allons naviguer et j'essaierai de donner le moins possible mon avis personnel sur cette technique, je vous le dis tout de suite, que j'affectionne particulièrement et que j'engage vraiment tout le monde à utiliser. Mais je vais essayer d'être le plus impartial possible pour vous donner un corrigé de ces exercices de la partie 25. Juste avant, revenons au site marketingdigitalaz.com sur lequel vous avez différents chapitres du livre, le glossaire, les slides avec toutes les infographies, tous les schémas du bouquin, une taxonomie que vous pourrez modifier qui est une classification du marketing digital et toutes les vidéos de préparation, environ une cinquantaine, que nous avons tournées avec des spécialistes pour nous permettre de d'approfondir certains sujets qui, malgré les 400 pages et le côté très épais du bouquin, on n'a pas pu aborder tout, donc on l'a fait à travers des vidéos. Donc un site extrêmement simple, hein, glossaire, corrigé, slide, taxonomie ou taxonomie, les vidéos, le sommaire du bouquin que vous pouvez télécharger, nos influenceurs favoris, Fred Cavazza, PPC, donc Jean-Philippe, Pierre-Philippe et Jean-Philippe, de Philippe dans les influenceurs, donc qui ont eu la gentillesse de lire le livre et de nous donner leur avis. Et vous avez les deux auteurs. Moi, j'ai gardé le même foulard pendant toutes les corrections. C'était le dress code. Et puis Yann, que vous connaissez certainement aussi. Un formulaire si vous voulez nous contacter ou avoir une conférence par nos soins, c'est avec grand plaisir. Et le livre, vous avez le sommaire, l'avant-propos, la couverture et les auteurs. Donc passons tout de suite au chapitre 25, toujours dans la partie 6, le contenu, faire rayonner son contenu. Et le chapitre 25, c'est les stratégies de contenu à l'ère de l'IA générative. Donc premier petit point sur IA générative. Il se trouve que le mot générative commence par les mêmes lettres que le mot général et qu'il ne faut surtout pas confondre l'IA générative et l'IA générale. IA générale qui s'appelle aussi AGI, Artificial General Intelligence. Donc l'IA générale, c'est une IA qui est capable de faire des centaines de choses différentes, qui est capable à proprement parler de remplacer le travail ou les tâches d'un être humain de A à Z, de l'accueil à l'empathie, en passant par l'assistance, en passant par la cobotique, en passant par du discours, en passant par de la vidéo, en passant par une appréhension de l'environnement et du contexte. Donc l'IA générale, on n'y est pas encore. Puis après, il y aura l'IA spécialisée, et après, on aura l'IA spéciale, et après, on aura différentes couches. C'est ce qu'on appelle l'ère de la singularité, mais on n'y est pas avant 2030, 2035, 2040, pour certains. Donc, pour l'instant, on se contente d'une IA générative qui n'est capable de faire qu'une seule chose, faire du texte, pour certaines, faire des photos pour d'autres, faire de la vidéo pour d'autres, faire de la traduction pour d'autres. Et vous aurez remarqué dans tous les outils d'IA qu'on vous propose, mais il y a une IA qui fait du doublage dans une langue étrangère, une autre IA qui s'appelle différemment et qui fonctionne avec un système, un Large Language Model, un LLM, différent, qui est capable de faire des poèmes, une autre IA qui est capable d'être spécialisée en réponse client par rapport à des problématiques automobiles, une autre IA qui fait quelque chose. Donc là, on est vraiment dans les IA génératives qui sont monotâches et qui sont spécialisées dans une chose. Donc regardons les exercices de ce chapitre. De ce chapitre 25, je vous le disais, correction un peu rapide et un peu différente des autres corrections. Rédiger une charte de l'IA pour votre entreprise. Déjà, la première chose, c'est que bien sûr,
l'IA doit être un outil d'assistance pour tous les salariés de votre entreprise, à condition bien sûr, donc hors de question d'interdire l'IA. Si vous leur interdisiez dans l'entreprise, ils s'en serviraient à la maison à titre perso sur leur smartphone ou ailleurs. Donc autant l'autoriser et autant faire avec. Donc là, déjà le premier point de la charte, c'est l'IA est autorisée, mais attention, il y a une certaine charte. Hors de question de prendre le résultat de l'IA et de le copier-coller in extenso sans relecture dans une réponse à un client ou dans une fiche produit ou dans un article de blog, puisqu'on est là sur le chapitre du contenu, du brand content ou de la stratégie de contenu. Donc, ça doit effet. Qui a le droit de l'utiliser? Tout le monde. Qui ne peut pas l'utiliser? Personne. Les réponses de l'IA peuvent être utilisées librement? Bien sûr que oui. Pourquoi faire? Ben, généralement, nous assister, c'est comme un super stagiaire, un super assistant à qui on demande. Rédige-moi un article là-dessus, on prend l'article de l'assistant et bien sûr, on y rajoute sa patte parce qu'il faut que ça ait la couleur de l'entreprise, il faut que ça ait la tonalité de l'entreprise, il faut respecter les piliers de communication de l'entreprise. Donc on ne peut pas prendre le résultat de l'IA et le transférer comme ça brutalement. Donc bien sûr, il faut la relire, il faut faire un certain nombre de choses. Pourquoi pas faire mention de cet article ou cette fiche produit ou cette réponse client a été faite avec assistance de telle IA ou telle IA. Donc c'est toute la charte à mettre en place dans l'entreprise pour mieux autoriser les personnes à utiliser l'IA. Une charte qui dit l'IA est fortement recommandé chez nous, l'IA doit systématiquement être relue, l'IA doit systématiquement être mentionnée, l'IA doit systématiquement montrer ses différentes sources que l'on va bien sûr s'empresser de recopier. Et toutes ces choses font partie d'une discussion dans l'entreprise et de l'écriture d'une charte d'utilisation de l'IA. Alors, c'est super important de pouvoir faire ça. Autre sujet, donc là, attention, inscrivez-vous à ChatGPT 4 qui va bientôt devenir 5 et qui coûte aujourd'hui 20 $ par mois et qui demain peut-être coûtera plus ou moins. On ne sait pas quels seront les développements de OpenAI là-dessus. Donc, bien sûr, vous devez prioritairement vous inscrire et utiliser l'IA. C'est vraiment super, super important. Et dans l'IA, la chose la plus importante à savoir faire, hormis comprendre comment fonctionne un large language model, comprendre comment fonctionnent les systèmes qui vous permettent d'obtenir des réponses, mais la chose la plus importante à apprendre, c'est comment faire un prompt. Comment bien interroger, comment bien questionner l'IA. Et donc, l'idée d'un prompt en 4, 5, 6 lettres, un peu comme 5, 6 mots, pardon, un peu comme on se sert de Google Search, on tape meilleur restaurant italien Paris, eh bien, écrire ça à l'IA est une pure hérésie. Dites-vous que chacun de vos prompts d'IA doit être d'un minimum d'une vingtaine, quarantaine de mots. C'est-à-dire qu'il faut donner un rôle à l'IA. ChatGPT, on va le tutoyer, on va lui dire, tu agis comme un expert en réparation automobile. Tu connais très bien toutes les méthodes de ceci, les méthodes de cela, les méthodes de cela. Tu t'inspireras de ce que fait Toyota, de ce qu'écrit Stellantis ou de telle et telle et telle marque ou de tel et tel carrossier ou de tel et tel garagiste. Tu écriras à la Midas, à la Point Vert, à la Carglass, pourquoi pas, allons-y, soyons dans l'outrance. Tu t'inspireras de tout ça. Comment tu dois
être l'IA. Tu utiliseras un ton plutôt sympathique, plutôt humoristique, plutôt technique, plutôt distant, plutôt empathique, etc. Donc on précise bien quel rôle joue l'IA. Ensuite, on la met dans un contexte. Nous sommes dans le contexte de lancer un nouveau modèle de voiture. Nous sommes dans le contexte d'inciter les gens à passer de leur vieille voiture à une nouvelle voiture électrique. On expliquera bien le contexte dans lequel nous sommes. Donc, une dizaine de mots pour expliquer comment se comporte l'IA, une dizaine de mots pour expliquer dans quel contexte nous posons la question, et ensuite une dizaine de mots, donc ça fait en moyenne une trentaine, hein, entre 20 et 40, pour expliquer quelle est la question. Et maintenant, question, dans ce cadre-là, rédige-moi un article de 500 mots qui aura comme objectif de rappeler aux personnes tous les bienfaits de la voiture à essence classique dans la mesure où on la possède déjà, où on la partage, où on fait du covoiturage, où c'est pas des ou alternatifs, hein, c'est des ou avec accent, dans la mesure où on s'en sert à plusieurs pour de petits trajets, que nous la possédons déjà, etc., etc. Et là, ChatGPT va vous faire un superbe article de 500 mots exprimant à quel point la voiture à explosion, les voitures thermiques, sont bonnes pour la planète dans la mesure où, et ils vont développer tout ça très très bien. Donc, ou le contraire, hein, même contexte, même rôle. Explique pourquoi un possesseur de voiture thermique doit passer à l'électrique en lui donnant des exemples de modèles, en lui donnant un exemple. Le propriétaire de cette voiture a une 407 de 2015. Excusez-moi, je ne sais pas si la 407 existait en 2015, mais peu importe. Elle a 125 000 km. Quels sont les arguments pour qu'il passe à une voiture électrique de type excusez-moi, je ne connais pas les modèles de voitures, mais I208 ou Tesla 3, ça je connais mieux les Tesla 3, je connais mieux les Tesla Y, le Cybertruck. Cybertruck, le petit Cybertruck, enfin le petit, le gros Cybertruck, complètement inutile dans nos villes et dans nos contrées, sauf à être vraiment dans les montagnes et dans utiliser, avoir une activité professionnelle qui a besoin d'utiliser ce genre d'outil, mais complètement inutile. Donc voilà, le principal outil et la principale formation à faire, c'est expliquer comment faire un bon prompt. Et il y a dans la Silicon Valley des gens qui sont des prompt engineers et donc qui savent très très bien utiliser l'IA. Là, on l'a fait pour un texte, donc c'est assez simple. Mais si on doit le faire pour une photo ou pour une vidéo, le prompt est encore plus complexe. Ensuite, mise en pratique. Oui, j'ai pas beaucoup de sites à vous montrer. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer sur cette correction du chapitre 25. C'est pour ça que je dis qu'elle est un petit peu spéciale. Mise en pratique. Le licenciement brutal, vulgaire et discutable de 80% des salariés de Twitter devenus ex fait réfléchir quelques cabinets de consultants, d'autant que les performances de ex aujourd'hui sont tout aussi bonnes que par le passé, et même au contraire, des nouvelles fonctionnalités voient le jour. Là, on est à la veille d'un ex payment, un peu à la WeChat Pay, si vous voyez l'allusion que je fais. WeChat Pay, oui, bien sûr. Et donc, au-delà de cet exemple radical, donc 80% d'économie de salariés, attention, d'autres sociétés dans les technologies ont fait, non pas la même coupe radicale, mais font sans cesse de nouvelles coupes. Il y a encore 30 000 salariés de Google licenciés. Donc régulièrement, on licencie, est-ce bien ou pas, je ne sais pas. Mais quelle est, pourquoi pas, l'implication de l'IA dans ces changements? Alors là, c'est un sujet très 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 polémique qui a pour objectif de vous faire réfléchir à est-ce que l'IA peut remplacer. Attention, la notion est très 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 importante. Est-ce que l'IA peut remplacer des emplois? Est-ce que l'IA peut remplacer du travail? Est-ce que l'IA peut remplacer des tâches? Et donc, je vous l'ai mis dans un certain ordre. Vous comprenez la graduation des choses.
Très certainement, l'IA peut remplacer, peut faire un certain nombre de tâches pour le compte de l'être humain, où il n'a plus qu'une validation, une signature à faire. Est-ce que l'IA peut remplacer certains travaux? Oui, peut-être des travaux qui sont une succession de tâches. Pardon, l'IA peut s'en charger. Est-ce que l'IA peut remplacer des emplois? Certainement non. Donc si les définitions de fonctions sont suffisamment bien faites, si les délégations de fonctions sont suffisamment bien faites, l'IA peut effectivement arriver à être l'assistant de tous et de toutes. Si maintenant il y a dans l'entreprise des gens qui réfléchissent et dans l'autre côté des gens qui agissent, ben, l'IA ne peut rien faire pour ceux qui agissent parce que l'IA à ce jour, ne peut pas prendre la main sur quelqu'un qui rend un service à une autre personne, un service physique, alors que l'IA peut complètement remplacer un travail qui serait 100% de réflexion au bureau. Donc, il y a plus une redéfinition des fonctions et toute personne qui a un travail très 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 actif et non remplaçable par l'IA devrait petit à petit se faire assister par l'IA. Donc on devrait voir des définitions de fonctions qui changent dans les années à venir. Voilà un point de vue. Encore une fois, je ne vous impose pas de le suivre. Je vous demande juste de vous faire votre propre point de vue sur cette IA. Et ainsi, cela clôt le chapitre 25 des corrigés du marketing digital. Et je vous dis à bientôt au chapitre 26.